pleine, ambiance magnifique, et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. On pourrait presque dire que le stade d'Old Trafford est l'un des joyaux de la couronne. On risque de beaucoup entendre le Stretford End, comme toujours. Ça, c'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Oui, et vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables. Ou les managers essayer des nouvelles choses, pourquoi pas. Ça devrait être un match ouvert et agréable. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Il prend sa chance. Et la puissance y était, mais pas la précision. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Chelsea qui peut avancer. Allez. Azpilicueta. Jorginho. Voici Giroud. Il choisit la profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Tu penses surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Il passe sur l'aile droite. Matic. Pogba. Pogba qui cherche une solution. McTominay. Kovacic. Oh, le contre, l'arme fatale. Vous avez remarqué comme les latéraux montent? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Il tente sa chance! Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu! C'était bien joué cette interception. Dommage que ça manque d'application dans les gestes. Azpilicueta, qui cherche la profondeur. Jorginho. Il renverse, c'est bien fait. Avec Marcos Alonso. Pedro. Duel épaule contre épaule. Il va au duel. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Pogba. McTominay. Martial. C'est une occasion, ça. Magnifique. Quel bijou. C'est tout simplement incroyable. Magic. Et l'ouverture du score pour Manchester United. On est sous un peu se mettre des ballons perdus au milieu de terrain. Et bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. Ils ont pris l'avantage, mais attention, c'est encore du temps à jouer. Jorginho. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Azpilicueta. Coup franc pour Manchester United. Ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Où ils seront décrochés s'ils encaissent un but. Bruno Fernandes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tente sa chance de si loin. C'est vraiment passé près. Marcos Alonso. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Rashford. Azpilicueta. C'était une bonne intervention. Martial.
chance sur ce coup. C'est joué long. Ce sera un coup franc. Ça joue à gauche. Bien servi. Bien joué de la part du défenseur. Corner. C'est dégagé. McTominay qui a déjà marqué aujourd'hui. Aspilicueta. Kovacic. Tomori. Manchester United mène toujours au score. Il n'empêche, la pause va faire quand même beaucoup de bien. L'arbitre signale une faute. Voici Giroud. Il est intervenu. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. C'est joué dans la profondeur. Allez, il faut mettre le pied sur le ballon. Christensen. Pedro. Jorginho. Rashford. Bruno Fernandes. Il cède sous la pression. Ils peuvent contrer. Rashford, dans la profondeur, bien vu. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, attention. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Bruno Fernandes qui écarte le jeu. Attention, la frappe sur le poteau. Marcos Alonso. Un long ballon vers l'avant. Long ballon dans le sens du jeu. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Chaud. Pogba. McTominay. Bruno Fernandes. Pogba. Un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici. La frappe! Oh, quelle reprise de volée! Il s'est bien adapté, il a senti le coup venir, il a tenté sa chance, c'est bien.
Alonso, qui est servi sur cette bonne transversale. Tomori. Christensen. Le long dégagement du gardien. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Oh, le bon ballon! Kanté dans la profondeur. Ce contre peut très bien aller au bout. Il change complètement de côté. Le ballon sur l'autre aile. Peut-être une occasion pour Pedro. Bien tenté. Pedro, le centre. Ça manque un peu de précision. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exact. Marcos Alonso. Pedro. Lindelöf pour un nouveau ballon récupéré. Pedro. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Ce petit but d'avance fait leurs affaires pour le moment. C'est joué long, attention. Kovacic. Martial, qui a donc offert un but à son coéquipier. Fernandez. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Beaucoup de déchets techniques dans les passes aujourd'hui. Bruno Fernandes, Martial. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Pogba, oh la frappe. Et il rate le cadre. C'était une frappe tonitruante, ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Et c'est donc un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur a battu sa deuxième carte. Kovacic. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Voici Martial, la passe est précise. Pogba ! Il cherche la profondeur. Une très grande ouverture. Pogba. McTominay. Il tente la... Oh, Cavaliero, super barré. Dommage, c'était la balle du break. Il tire. À côté. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Il décide d'allonger le jeu. Une poignée de secondes seulement, la victoire leur tend les bras. C'est joué long. Maguire. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Réalisation essentielle avec la plus petite démarche, le plus important. C'est que la victoire est au bout. Vous savez, c'est jamais facile de tenir aussi longtemps son avance, mais ils ont réussi grâce à leur discipline.